de ces manières-là, à faire une prière d'ouverture parce que nous voulons que cette soirée soit placée sous le couvert du Très-Haut. Donc, après cette prière d'ouverture, nous allons inviter la chorale à monter sur scène pour la première partie de notre concert. Merci. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, illustres invités, autorités religieuses ici présentes, parrains et marraines du cœur des Amis de Jésus, mesdames et messieurs, en vos rangs et grades respectifs, le CRJ par ma voix.
programme inédit, dit programme spécial, rien que pour vous. Rien que pour vous qui soutenez ces jeunes tous les jours dans leurs activités, qui les soutenez par des conseils, par des moyens matériels, financiers, pour que le groupe continue de mener sa mission d'évangélisation par le chant. Comme je le disais tantôt, le programme de la soirée se décline comme suit. Une première partie consacrée au chant liturgique. Puis suivra le mot de la présidente du CRJ. Et nous terminerons par le bouquet final, le très attendu Stabat Mater de Gioachino Rossini. Installez-vous confortablement et préparez-vous à vivre un moment musical unique. Nous aurons trois chants dans cette première partie, comme je l'ai annoncé. Le tout premier, c'est Mengayen Maria. C'est un cantique traduit de l'allemand et il est en langue Ewondo qui traite du saint désir de tout âme chrétien d'aller voir Marie au ciel. Désir qui nous réconforte et nous console dans les épreuves de la vie par l'espoir qu'il nous donne de reposer un jour dans le cœur de notre mère. La chorale interprétera pour vous ce soir un arrangement de Julien Engola pour soliste, cœur et accompagnement. Puis suivra le morceau intitulé It is well with my soul. C'est un hymne écrit par Horacio Spampo et dont la musique est de Philippe Bliss. Il est écrit pour soprano, pour cœur à voix mixte et accompagnement. C'est un extrait du deuxième livre des Rois, au chapitre 4, verset 26. Et nous clôturons cette première partie par les impropères de Lucien Davis. Alors, on dit impropères, ce sont les reproches du Christ contre son peuple qui, en échange de toutes les faveurs accordées par Dieu, et en particulier pour la voie délivrée de la servitude en Égypte et l'avoir conduit sain et sauf dans la terre promise, lui infliger les ignominies de la passion. Ce chant est généralement exécuté à l'office du Vendredi Saint pendant la vénération de la croix. Et chacun de ces reproches du Christ rappelle le tragique refrain de l'amour méconnu. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je attristé? Réponds-moi. Et la réponse du peuple chrétien, c'est justement ce baiser donné à la croix. Autorité religieuse ici présente, mesdames et messieurs, tout protocole respecté, pour nous conduire dans cette soirée riche en musique et en spiritualité, j'invite ici et maintenant la très expérimentée formation musicale du Chœur des Amis de Jésus de la cathédrale des Saints Pierre et Paul de Douala. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Veuillez les accompagner jusqu'à la scène, s'il vous plaît. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour vous gratifier d'une prestation de haut vol ce soir. Le Chœur des Amis de Jésus. Alors, ces grandes voix seront soutenues par
l'orchestre de jeunes et talentueux musiciens triés sur le volet que vous voyez ce soir. Est-ce que nous pouvons applaudir pour notre orchestre de ce soir? C'est vrai que j'avais prévu d'annoncer le maestro, mais il est déjà là. Ça veut dire qu'il a le cœur à la tâche. Je vais donc m'éclipser pour laisser place à la musique.
Thank you.
le cœur des amis de Jésus. Merci pour cette prestation. Nous allons demander à la présidente de rester avec nous pendant que le cœur se retire. En fait, dans le programme, que le programme prévoit un petit mot de la présidente du Cœur des Amis de Jésus. J'ai nommé Marie-Noël Fouda Mbala qui est là devant vous. Moi-même, je ne suis pas dans le secret de ce qu'elle va vous dire, donc je vais lui laisser la parole. Monsieur le préfet du département du Voury, monsieur le représentant du consul général de France, révérend père, très chers parrains et donateurs, messieurs les chefs de chœur ici présents, très chers invités, bonsoir. C'est avec une vive émotion que je me tiens devant vous ce soir pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cet auditorium du Crystal Palace, ce 5 étoiles camerounais. Le cœur des amis de Jésus se sent très honoré de votre présence ici ce soir, signe de votre affection et de l'intérêt, de la crédibilité que vous lui accordez dans le champ sacré. En effet, il y a 12 ans de cela, le mardi 5 2022, nous vous présentions le requiem de Rosa à la cathédrale de Saint-Apôtre Pierre et Paul, en présence de pour nos critiques à
dans le domaine de la musique là présent. Nous avons également des propositions, s'il y en a, des partenariats ou d'appui, et surtout des demandes d'adhésion au chœur pour ceux qui sont désireux d'être choristes. Je vous souhaite donc de passer enfin une agréable soirée en notre compagnie et que le Seigneur soit loué en tout temps, qu'il nous bénisse tous en cette semaine sainte, qui nous conduira à sa crucifixion et enfin à sa résurrection. Je vous remercie. Merci Marie-Noël pour ces propos. Pendant que la chorale change de décor et d'accoutrement pour la seconde partie, nous allons laisser place à l'orchestre du jour de nous jouer un petit morceau de circonstance. Je pense qu'il a été prévu, toujours dans la logique du programme musical de ce soir, un Ave Maria de Catini, je pense. Voilà, donc pendant que nous écoutons l'orchestre, la chorale va changer de tenue. Merci.
Merci. Merci à l'orchestre. Vous pouvez les applaudir aussi, hein? C'est pas interdit. Alors, j'ose croire que la chorale est prête pour continuer avec la seconde partie de notre soirée. Comme je l'ai annoncé en début de propos, je vais vous donner comme ça à la volée quelques clés de décryptage de ce qui va se passer tout à l'heure. Alors, le Stabat Mater, c'est quoi finalement? C'est tout simplement un poème en latin de 20 strophes, de 3 tercets, de 3 strophes, de 3 vers, pardon, chacun. Et donc, les rimes sont de nature plate, comme on dit, AAB. Et le Stabat Mater, il faut le dire, a connu le sort de toutes les poésies orales, c'est-à-dire fluctuant au gré des circonstances, tantôt allongé, tantôt raccourci, amplifié ou tronqué même, affadi et parfois embelli, et sans cesse remodelé et adapté au contexte historique de la performance. Il existe de ce fait de nombreuses traductions, de nombreuses variantes même de ce texte. Mais nous avons retenu pour vous ce soir la version officielle de l'Église, texte et traduction. Et tous les philologues s'accordent pour donner naissance au Stabat dans l'Italie franciscaine de la fin du XIIIe siècle au début XIVe siècle. Et ce texte évoque la souffrance de Marie lors de la crucifixion de son fils Jésus-Christ. Les épreuves qui traversèrent la vie terrestre du Sauveur, des périls de la petite enfance à l'épreuve suprême du calvaire, Marie fut étroitement associée au pèlerinage humain de son fils en ces deux moments extrêmes, au point d'apparaître elle-même comme le centre d'un drame inscrit dans celui du salut et généré par le fiat de l'Annonciation. La structure du poème est d'une savante simplicité et le Stabat n'est pas une poésie populaire. La Vierge du Stabat se dresse seule, pathétiquement seule, droite et immobile à côté de la croix, symbole tragique de la douleur recueillie, acceptée, transcendée. Les yeux fixés sur son fils, le cœur transpercé par un glaive. La Vierge du Stabat, disais-je, se dresse seule, figée dans une tragique immobilité que trahit à peine un frisson bouleversant, symbole de la douleur intériorisée. Le poème du Stabat Mater peut être divisé en grandes parties, en quatre grandes parties. Je disais en début de propos qu'il était constitué de 20 strophes. Alors, la première partie, constituée des tercets 1 et 2, fait référence à une prophétie biblique de Siméon faite à la Vierge durant la présentation de Jésus au Temple, 40 jours après sa naissance. « Et toi-même, ton cœur sera transpercé par une épée, ainsi seront dévoilées les pensées secrètes d'un grand nombre. » C'est Luc, chapitre 2, verset 35. La deuxième grande partie, formée des tercets 3 à 8, présente une contemplation des souffrances de la Vierge, appelant la compassion du chrétien. Comme le dit le tercet 5, « Quel homme, sans verser de pleurs, verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice. » La troisième, constituée des tercets 9 à 18, sont une prière qui demande à la Vierge de nous unir à sa souffrance. Le tercet 16 dit « Du Christ, fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. » Les deux derniers tercets sont tout simplement une prière au Christ. Nous pouvons cependant nous poser
quelques questions. À savoir, est-ce le narrateur de la première partie qui, saisi par le drame qui se déroule sous ses yeux, intervient directement et, changeant de registre, implore pour lui-même la grâce de la compassion? Est-ce un destinataire fictif qui, bouleversé par le récit qu'il vient d'entendre, prend à son tour la parole, relayant dans un autre mode la plainte du narrateur? Le Stabat Mater de Rossini, écrit pour quatuor de soliste, chœur et orchestre, répond très bien à ces interrogations. Cependant, le style opéra italien qui se dégage de manière plus qu'évidente de cette composition a alimenté pendant très longtemps la polémique et même la critique, jugeant l'œuvre trop légère, trop agréable ou trop divertissante. Quoi qu'il en soit, sur le plan musical, le Stabat Mater de Rossini est d'une grande beauté mélodique et se termine par un grandiose chœur final où le compositeur a recours à la fugue, comme vous aurez l'occasion de l'entendre tout à l'heure. Le Stabat Mater de Rossini, disais-je, fait une organisation savante des 20 tercets du texte original pour produire une œuvre musicale de 10 mouvements, aussi variés que riches. Le premier et le dernier mouvement mettront en scène l'effectif complet, constitué d'un quatuor de solistes, du grand chœur mixte et de l'orchestre. Le sixième et le neuvième mouvement nous feront découvrir deux magnifiques quatuors de solistes. Le duo mythique de cette œuvre célèbre entrera en scène avec le troisième mouvement. L'exécution des deuxième, quatrième et septième mouvements mettra successivement en scène un soliste ténor, une basse et une mezzo-soprano. Et enfin, les mouvements 5 et 9 opposeront sur scène un soliste et le chœur. Qui, mieux que les amis de Jésus, pour tenir compagnie à sa mère sur le chemin de douleur? Trêve de bavardage, je vais inviter une fois de plus le chœur des amis de Jésus à monter sur scène. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Encouragez-les, ils en ont besoin. Ces jolies voix seront soutenues par un orchestre de jeunes et talentueux musiciens triés sur le volet, comme je l'ai dit. Ils sont là et vous pouvez les encourager également. Cet ensemble de musiciens et de chanteurs sera dirigé des mains de maître. Je pèse bien mes mots. Par celui-là que
on ne présente plus pour avoir fait ses preuves en tant que ténor dans plusieurs formations chorales et également comme chef de chœur. J'ai nommé Junior Gaetano Camto. Est-ce qu'il peut venir? Oui, maestro, c'est toi que nous attendons pour nous gratifier de ce chef-d'œuvre ce soir. Ce chef-d'œuvre de Joaquin Rossini. Très attendu Stabat Mater. Place à la musique.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ladies and gentlemen, please, can you offer a standing ovation to those guys? Le cœur des amis de Jésus. Il s'est agi dans une exécution magistrale du Sabbat Mater de Rossini. Paris tenu, nous pouvons le dire. Merci. Merci. Maestro, est-ce qu'on peut dire Paris tenu? Vous laissez le public en juger. Je crois que par les applaudissements et les réactions du public, nous pouvons répondre oui. Paris tenu. Vous nous avez donné rendez-vous ici au Crystal Palace pour ce Stabat Mater tant attendu. Nous avons répondu présent. Vous voyez, la salle est pleine. Il n'y a pas un seul siège vide. Et en face, vous avez répondu de la plus belle des manières. Nous avons pu entendre tout ce qui était beau, tout ce qui était angélique dans les voix de soprano, de mezzo, et je pense que vous avez même écouté une voix de contre-ténor. Ah, ben voilà. Donc, merci maestro, merci. Nous allons présenter les solistes que vous avez écoutés tour à tour ici. Parce que c'est aussi notre manière à nous de les encourager, de leur demander, voilà, il faut continuer de travailler et d'avancer. Alors, dans le registre soprano, nous avons eu Léa Kamana comme soliste soprano. Léa, est-ce que tu peux avancer ? Voilà, et je vais inviter une autre soliste à rejoindre Léa, une soprano aussi, que vous avez écoutée vaillamment dans le numéro 8, le 8e mouvement de ce Stabat Mater, c'est Vanessa Cocombarga. Oui, c'est celle qui nous a tiré des flammes de l'enfer pour nous conduire à la gloire du paradis. C'est elle qui a bravé les flammes de l'enfer pour nous tirer à la gloire du paradis avec le grand cœur final. Ensuite, nous avons eu comme solo mezzo-soprano la grande Rosine Palian. Oui, je vais vous demander d'ovationner Rosine pour une raison, c'est qu'elle a vécu son Stabat Mater avant ce jour. Elle l'a porté avec courage, elle l'a porté avec foi, parce que Rosine perd sa maman quelques jours avant le concert. Mais elle est là, elle a répondu présente, elle est allée jusqu'au bout de l'engagement. Et Rosine a vécu doublement ce Stabat Mater. Bravo, Rosine. Bravo. Et beaucoup de courage. À la suite de Rosine, je vais inviter notre contre-ténor. Il s'agit bien de Arsène Ango. Alors moi, je suis très content de voir que vous avez tout de suite intégré ce registre de contre-ténor, parce que ailleurs, nous prenons souvent beaucoup de temps pour expliquer au public, parce que certains demandent, mais pourquoi ils chantent comme ça? C'est une voix de contre-ténor et c'est une voix d'homme, s'il vous plaît. C'est une voix d'homme. Voilà. Donc dans les registres vocaux que nous connaissons, nous avons des voix aiguës d'hommes qui sont les ténors. Et nous avons des voix suraiguës d'hommes qui sont des contre-ténors. Donc lui, il est un contre-ténor. Voilà. La logique du chant veut qu'il chante dans le même registre que les mezzo-soprano. C'est pour ça que dans certains numéros, vous l'avez vu tenir
la phrase de mezzo-soprano. Après Arsène, je vais appeler nos solistes ténors, les grandes voix lyriques que vous avez écoutées ici. Ah oui, j'ai failli oublier. C'est l'émotion. Je vais appeler ici celle-là qui est, on l'appelle souvent la capille, hein, parce que c'est celle qui assure les arrières de tous les pupitres. Ça veut dire que même quand il y a carence sur les basses, elle est là pour répondre. Oui, quand elle viendra, vous allez voir, j'ai nommé Fleur Andrea Denga. Oui, elle porte bien son nom de capi parce que pendant les séances de répétition, j'ai vu Andrea naviguer entre soprano, mezzo, ténor, basse. À chaque fois qu'il y avait une carence quelque part, elle était là pour soutenir. Et c'est important pour des chœurs d'avoir ce genre de choristes, d'avoir ce genre de piliers sur lesquels la chorale peut s'appuyer. Bravo Andrea, merci pour tout ce que tu es. Je vais embrayer donc dans le pupitre ténor pour appeler tour à tour ici Roland Nouébissi. Étienne Ndungu. Et celui-là que vous avez ovationné vous-même ici dans le numéro 2, le Kuyusa Animam, c'est David Chouaket. Bien sûr, nous allons terminer par le pupitre d'homme. Pourquoi je dis ça? C'est qu'à la chorale, nous avons l'habitude de nous titiller comme ça. Nous appelons les ténors les garçons et les basses les hommes. Oui, parce que c'est ceux-là qui assurent l'harmonie, la base de l'harmonie, la tenue de l'harmonie. Je vais appeler tour à tour ici Moïse Sanama. Et pour couronner le tout, Frédéric Mvogo. Voilà, donc c'est ces solistes que vous avez écoutés ici tour à tour dans l'œuvre magistrale du Stabat Mater de Rossini. Est-ce que vous pouvez les applaudir une fois de plus, s'il vous plaît? Merci, je vais prier les solistes de regagner leur place. Derrière les solistes, il y avait le grand cœur des amis de Jésus. Je l'ai dit en entame de mon propos qu'il n'y avait pas mieux que les amis de Jésus pour accompagner sa mère sur le chemin des douleurs. Dans le grand cœur, je vais demander à toutes les sopranos de se lever et de saluer. Voilà, toutes les sopranos du cœur des amis de Jésus. On peut... Voilà nos braves sopranos. Merci. Je vais inviter les mezzo et notre contre-ténor à saluer à leur tour le public. Oui, je rappelle que le pupitre mezzo, c'est le pupitre présidentiel, hein, au cœur des amis de Jésus. C'est le pupitre présidentiel. À la suite des mezzo, je vais inviter les valeureux ténors à saluer le public. Les garçons. Et pour terminer, bien entendu, le pupitre des hommes, les basses.
Alors, ceux-là que parfois nous oublions parce qu'ils sont souvent dans l'ombre, ils travaillent souvent dans un coin qui est parfois très, très mal éclairé. Aujourd'hui, on les a mis devant le cœur pour qu'ils puissent être bien vus. Mais je vais prendre encore sur moi de les présenter. Je parle bien de l'orchestre qui a soutenu le chœur, qui a soutenu les solistes. Je vais inviter tour à tour, en commençant par le plus jeune. J'espère que je ne vais pas me tromper. Parce que vous voyez leurs visages, ils ont tous des visages de gamins. Je vais commencer par Glenn Aboudifis. Il est au bout là-bas. C'est le tout jeune. C'est un jeune prodige du piano. Et voilà, il est là ce soir pour accompagner une œuvre de cette envergure. Bravo Glenn. Alors là maintenant, je ne sais plus. C'est vrai que je n'ai pas regardé les CNI, je ne sais pas. Mais je vais tenter le coup. Je pense que c'est Yannick parce que là, ça aussi entre Yannick et Georges. Parce que quand même, grand Z, c'est l'aîné. Voilà, mais je crois que je vais me risquer comme ça à prendre Yannick. D'abord, je vais prendre Yannick Tignesibou, Lubissé, qui est un pianiste sollicité, énormément sollicité dans la ville de Douala et même hors de la ville de Douala. Yannick est là, mais je vais dire que Yannick vit et travaille à plus de 100 km de Douala. Mais il a travaillé durement avec cet orchestre pour vous fournir ce que vous avez vu ce soir. Yannick a travaillé ce matin à plus de 100 km de Douala et aussitôt qu'il a éteint son ordinateur, il a pris la route pour être là pour ce soir. Merci Yannick. À la suite de Yannick, je vais appeler le moins jeune. C'est le docteur Georges Florent Meunienne. Comme Yannick, c'est également des pianistes qui sont surexploités dans la ville de Douala parce que des talents comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Bravo docteur, merci. Je vais terminer donc par le doyen de notre orchestre. C'est le grand Z, c'est Thierry Z. Est-ce qu'on peut les ovationner très fort, cet orchestre? Ils ont fait un travail magnifique, un travail de longue haleine, parce que c'est depuis plusieurs mois qu'ils travaillent sur cette œuvre, pour que vous ayez le résultat que vous avez eu ce soir. Vous pouvez vous asseoir, merci. Alors, je vais appeler pour terminer les présentations, celui-là que vous avez vu devant ici. Il vous a tourné le dos pendant toute la prestation, mais il a battu un travail de titan pour pouvoir gérer et les musiciens et les solistes et le grand chœur et même la sono. Je le voyais faire des grands signes là-bas pour dire il faut baisser le volume et tout. Je vais appeler ici celui-là. J'ai dit qu'on ne présente plus. C'est Junior Gaetano Camto, le directeur technique du Chœur des Amis de Jésus. Maestro, est-ce que tu peux te mettre sur ton pupitre? Faut qu'on te voie sur ton pupitre. Bravo, Junior, bravo, 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 bravo. Mille fois bravo. Bravo. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas facile. Ce n'était pas un pari facile. Mais c'est quelqu'un qui est téméraire. C'est quelqu'un... C'est même quand il connaît beaucoup de tribulations qu'il est plus fort. Ça a été comme ça l'an dernier quand il a décidé de donner le requiem de Mozart. Cette année, il a dit, c'est le Stabat Mater de Rossini. Il l'a fait. L'année prochaine, c'est quoi, Junior? Oui, parce que ça part toujours comme ça. Il termine une œuvre et il vous dit rendez-vous l'année prochaine pour exécuter la prochaine. Ça, c'est ce qu'il a fait. Quand il a terminé avec le requiem. Bon, voilà. Il a parlé ainsi. Je vais présenter également le bureau.
de la chorale. Permettez-moi de faire cela parce que c'est des gens qui se tapent des heures supplémentaires. C'est des gens qui travaillent même quand la chorale est terminée, quand les répétitions sont terminées. Je vais commencer par la présidente elle-même. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit que le pupitre mezzo était le pupitre présidentiel. Je vais appeler ici Noël Fouda Mbala, la présidente du Cœur des Amis de Jésus. Est-ce que tu peux avancer, Madame la présidente? Elle travaille avec le soutien comme vice-présidente de Elisabeth Ngasumu. Elle est là, Elisabeth. Oui, on me fait comprendre que la chorale vous a remis des enveloppes en début de concert. Donc, pour ceux qui ont pris le temps de les ouvrir et peut-être de ne pas les laisser comme elles étaient, vous êtes priés de bien vouloir les retourner avant de partir. Merci. Donc, je disais qu'à côté de la présidente et de sa vice, je vais appeler la responsable des relations publiques, c'est Bernadette Wontu. Vous voyez qu'au CAJ, nous n'avons pas de problème de genre. C'est un gouvernement de femmes. Donc, les questions de genre ne se posent pas chez nous. À côté de ces dames, je l'ai déjà présenté, il est là, le directeur technique du Cœur des Amis de Jésus. C'est ça le bureau exécutif, comme on l'appelle. Voilà, parce que tout ce travail ne pourrait se faire sans un soutien solide, un soutien de roc. La chorale a le privilège aujourd'hui d'avoir l'aumônier, l'abbé Jean-Marc Macani, vicaire. Ah, il n'y a pas Jean. Ah, il n'y a pas Marc. C'est Marc Macani. Pardon, monsieur l'abbé. Il est par ailleurs vicaire à la cathédrale des Saint-Pierre et Paul de Bonadiban. Monsieur l'abbé, est-ce que vous pouvez rejoindre vos enfants? Et qu'on n'a pas prévu l'échelle de ce côté, peut-être par ici. Voilà. On peut l'encourager aussi, hein, parce que c'est un gros travail, c'est un gros travail spirituel. Voilà, je vais donner la parole à la présidente pour appeler les autres collaborateurs avec qui elle travaille. Collaborateurs, parce qu'on est dans l'église, mes frères et sœurs, d'abord la secrétaire générale, vraiment, qui se donne corps et âme pour être là tout le temps, qui subit même ma pression, en fait. Je vous prie de la passionner, s'il vous plaît. Ensuite, son assistante, Rosine Palian, la superbe mezzo, soprano, voilà. Les censeurs, d'abord Régine, censeur principale, Madame Toc, son adjoint Megan Demanga, et voilà votre superbe mezzo, superbe voix, monsieur Arsène Ongo, s'il vous plaît, le financier, s'il vous plaît. Le chargé de la spiritualité, c'est vrai qu'il est à l'extérieur, mais qui abat aussi un lourd travail. Je vous prie également de ovationner les hôtesses qui se donnent corps et âme pour vous accueillir. Voilà, pour ne pas être long, parce que la soirée fut vraiment longue, je tiens à vous remercier une fois de plus. Je ne suis pas beaucoup discours. Merci au clergé, merci à nos pères de la procure, infiniment merci. Merci
à tous ceux-là qui ont déployé beaucoup d'efforts pour être là, pour nous assister. Merci à nos sponsors, infiniment merci. Merci à ce couple qui s'est donné corps et âme, jour et nuit, pour parrainer cet événement. Je vais taire les noms. Merci spécialement aux acteurs de ce concert qui sont les corrigés. Je vous prie encore de les ovationner, s'il vous plaît. Enfin, je vais donner la parole au Père Marc Aumônier pour la prière finale, s'il vous plaît. Merci. Les hôtesses, c'est fini? Pas encore fini. Un peu de patience. Aussi dire un merci spécial à l'abbé Willy Tchangwe qui a la tête d'un grand institut dans la diocèse de Douala, le directeur de Radio et Télévision Veritas, la radio et la télévision catholique de notre diocèse, qui est venu avec son équipe ce soir. Et si vous avez bien constaté, qui a eu à couvrir cet événement. Donc ceux qui sont dans le flanc des réseaux sociaux, ils vont se rendre compte qu'il y en a qui pouvaient le suivre en direct, surtout ceux qui ne sont pas venus. Donc votre comté restait suivi dans la diocèse par les fidèles. Donc merci à l'abbé, et la prochaine fois tu ne manqueras pas. Nous voulons aussi merci pour tout le travail que tu as bas. Bon, je sais que je te donne le micro là tout à l'heure, tu vas nous dire quelque chose. Willy de Willy, c'est le prédicateur le plus suivi dans la diocèse de Douala. Comme on l'appelle souvent, il est petit comme cela, mais il est fort. Willy de l'amour. Donc, ok. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, pour confier une fois de plus au Seigneur tout ce que nous avons vécu, les bons moments, ici ensemble. Nous voulons aussi lui confier notre nuit, pour que lui qui est le maître de la vie nous garde, qui nous protège, qui nous donne de faire bon usage de tous les talents qu'il nous accorde au quotidien, et que lui-même nous donne la force de nous réveiller demain matin. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous l'année prochaine, bien sûr.